Parlons de ta carrière chez MIGSO. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis chez MIGSO. J'ai commencé par une mission pour un constructeur automobile français. J'ai ensuite étoffé mes compétences en management de projet et j'ai agrandi mon périmètre d'activité, ce qui m'a permis de travailler sur un projet essence pour le marché chinois et aussi sur un projet de véhicule hybride. Parlons en détail de ta mission actuelle. Notre client aujourd'hui est en train de développer une gamme de trains régionaux. Une gamme qui se doit d'être modulaire et de créer des produits capables de s'adapter aux exigences du marché et à toutes les demandes spécifiques de ses clients. Mon rôle au quotidien sur ce projet, c'est tout d'abord de construire toute la planification de la conception de cette gamme. Une fois cette construction du planning réalisée, on va passer plus dans un mode de pilotage des délais et surtout de pilotage des risques de décalage de ces dates. Alors, les challenges que je vais rencontrer sur cette mission sont doubles. Tout d'abord, c'est un projet multiculturel et multisite. Donc il va falloir réussir à faire travailler toutes ces personnes qui ont des cultures différentes, parfois des objectifs divergents, et justement les faire converger vers un résultat de livrer un train à l'heure. Mais c'est aussi un planning extraordinairement exigeant qui ne permet ni l'erreur ni le retard. Quelle valeur ajoutée apporte MIGSO ? La valeur ajoutée qu'MIGSO a su apporter à ce client, c'est avant tout d'avoir su l'écouter, comprendre et analyser ses besoins pour y répondre par un pôle de compétences. Que retiens-tu aujourd'hui de cette expérience ? C'est surtout un esprit de toujours aller de l'avant. Dans cette mission, même en général, dire qu'il y a un problème, c'est rarement super constructif. Là, ce qui donne du sens et de l'intelligence à notre métier, c'est de savoir proposer des solutions. En quelques mots, quel est ton parcours avant MIGSO ? Je suis issu d'un bac S, à la suite duquel j'ai intégré une école d'ingénieurs en 5 ans à La Rochelle, avec une spécialisation en gestion de la production et de la logistique. Si j'ai choisi d'intégrer MIGSO à la sortie de l'école, c'est parce que j'ai trouvé que c'était une entreprise qui avait su me donner une chance de travailler sur des projets ultra innovants et qui savait me donner l'opportunité de faire évoluer mes compétences et de m'intégrer pleinement dans les problématiques de ses clients. Et de ton parcours chez MIGSO, de quoi es-tu le plus satisfait ? C'est toutes les synergies qu'on a pu créer entre consultants, que ce soit au sein d'un même client ou même en transverse sur tout MIGSO. Si je devais recommander MIGSO à quelqu'un, je lui dirais que c'est un trésor à opportunités. C'est réellement une entreprise qui sait vous donner les moyens de travailler sur des projets ultra innovants avec des acteurs de tout horizon et pour des acteurs industriels de premier plan. Et réellement, ces opportunités, si on sait les prendre, peuvent donner des résultats bluffants. Merci Archibald.